Salut, c'est toi Sacha ? Oui. C'est bien toi qui vas au collège l'année prochaine ? Oui. Bah, ça tombe bien, moi j'y suis, donc du coup je vais te présenter le collège et je vais te le faire visiter. Et pour commencer, je vais aller poser mon sac parce que comme on a des casiers à disposition, c'est mieux. On peut directement les poser et comme ça, on n'a pas besoin de se les prendre tout le long de la journée. Ici c'est CDI, t'as tous les romans jeunesse. Il y en a pour tous les goûts, tout le monde vient piocher un livre. Moi j'aime bien Harry Potter, la mythologie. Donc moi je viens souvent prendre quelque chose ici. T'as de la place, s'il y a besoin d'aide, t'auras des dictionnaires ou même tu peux demander aux ordinateurs. Donc ici, c'est l'endroit rêvé pour travailler. D'accord. Ici, c'est la chapelle. Si jamais tu ressens le besoin d'aller te recueillir, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, ce sera toujours ouvert. D'accord. Bon, mais maintenant, je vais aller te montrer une classe et je vais aussi te montrer à quoi ça ressemble un emploi du temps. Et viens, suis-moi, on va aller à l'étage et je vais te montrer le dispositif Ulysse. Bienvenue au dispositif Ulysse. C'est un dispositif qui permet aux élèves de suivre leur scolarité de la 6e à la 3e en ayant une aide adaptée. La 6e conclut la fin du cycle 3. En mathématiques, peu de choses nouvelles. Tous les chapitres vus au primaire sont étouffés en 6e. Seule nouveauté, l'informatique, où l'on apprend à nos élèves à se familiariser avec trois logiciels. Scratch pour la programmation, un logiciel de géométrie dynamique et un tableur pour le calcul. Les élèves de 6e passent du primaire avec un seul enseignant au collège avec 10 professeurs. Le rôle du professeur principal est de faire le lien entre les élèves, les parents des élèves et l'équipe pédagogique. Surtout en 6e, les changements sont nombreux. Le professeur principal veille à la bonne adaptation des élèves et reste en dialogue permanent avec les familles et l'équipe des professeurs. Au collège, le jeudi maintenant, c'est repas végétarien. Ça a été instauré il y a 2 ans. Et je crois même que cette semaine, on a repas chinois. Au collège, c'est aussi apprendre en s'amusant, par exemple avec les clubs, que ce soit la chorale, le club de sciences ou même le cinéma en anglais. Ah ouais, il y a tout ça. Donc nous proposons un atelier cinéma tout en anglais à nos élèves de 6e, en plus des œuvres d'anglais qui sont au programme. Donc dans cet atelier, nous visionnons des films en version originale afin de familiariser les élèves aux sonorités de la langue et à la culture anglophone. Donc le but premier aussi de cet atelier, c'est de donner priorité à l'oral afin que les élèves aient plaisir à s'exprimer en anglais et qu'ils prennent confiance en eux. Tout ça en plus, ça a l'air super. Ben voilà, ici c'est le coin administratif. Si jamais tu as besoin d'aide, c'est là qu'il faut aller. La porte sera toujours ouverte. Ah, ben je vois que Valérie elle est occupée. Du coup, on reviendra plus tard, c'est pas grave. Dommage. Ben aussi, le mercredi après-midi, il y a l'UNSS où tu peux être avec tes copains sans forcément apprendre et découvrir de nouveaux sports. Par exemple, il y a le kayak, l'escalade, en hiver du coup le ski. Et en été, moi je trouve ça super, c'est les sports de pleine nature. C'est trop cool. Bon, ben, va falloir que je te laisse parce que moi je vais partir en études pour m'avancer, pour mes devoirs, pour réviser mes cours de la journée. Ok, super, merci de m'avoir fait cette visite. À l'année prochaine. À l'année prochaine, salut.